Exemple 3. Circuit électrique RLC. RLC. Les signaux sont X de T pour l'entrée et Y de T pour la sortie. Ici, nous avons un courant I qui parcourt cette maille. En appliquant la loi des mailles de Kirchhoff, XT va être R fois I plus la tension, cette tension c'est RI, celle-là, la tension borne d'une bobine. Si vous avez une bobine L parcourue par un courant I, alors la tension V, L, va être égale à L fois la dérivée du courant, L dI sur dT. Donc ici, X, c'est RI plus L dI sur dT plus cette tension Y. Il faut trouver une équation différentielle qui relie les ondes, l'entrée X avec la sortie Y. Dans cette équation, comme vous le voyez, nous avons l'expression du courant. Vous avez un I ici et une dérivée de I ici. Nous devons éliminer ces deux courants de cette équation. Pour cela, je vais utiliser la tension de sortie Y de T égale à 1 sur C intégrale IT dT. Donc, j'ai l'équation 1 et l'équation 2. Je vais calculer le courant de 2. Donc, de l'équation 2, je calcule le courant I. Et puisque nous avons une équation qui contient une intégrale, donc premièrement, je dois éliminer l'intégrale de cette équation. Comment l'éliminer? En dérivant des deux membres de cette équation. Donc, de 2, on dérive y point t égale la dérivée de cette expression, c'est i t sur c. Parce que lorsqu'on dérive une intégrale, l'intégrale va disparaître. Donc, de cette équation, le i de t va être égal à c fois y point de t. C'est la troisième équation. Maintenant, je dis paroi dans 1. Je remplace la troisième équation dans l'équation 1. Cela va me donner x de t égale à ri, le i c y point, plus L, la dérivée de 3. C'est quoi la dérivée de 3? Donc c'est dI sur dt égale la dérivée de 3. Donc c'est C fois Y de point. D'accord? Donc celle-là, c'est dI sur dt. Donc je remplace ici L fois dI sur dT. Donc c'est LC Y de point T. Plus y de t. Maintenant, comme vous le constatez, nous n'avons que des x et des y. Alors, je vais écrire LC. Je vais commencer par la dérivée, la plus élevée des dérivées, qui est y de point. Donc, LC, y de point, plus RC, y point, plus y égale à x de t. Maintenant, le coefficient de la dérivée la plus élevée doit être 1. Donc, je divise les deux membres de cette équation par, je divise ici par LC, ici par LC. Cela va nous donner y de point
plus RC sur LC Y fois plus 1 sur LC Y égale à 1 sur LC X de T. Donc les C se simplifient. Cela va nous donner Y de poids de T plus R sur L Y poids plus 1 sur LC Y de T égale à 1 sur LC X de T. Et c'est l'équation différentielle finale du circuit RLC. Sans oublier que le Y c'est la sortie, le X c'est l'entrée. D'accord? Maintenant, on va trouver la fonction de transfert. Donc, je dois prendre le Laplacien de cette équation. En commençant par le Laplacien du membre gauche, qui va nous donner le Laplacien de y de point, donc c'est s carré y de s, plus le Laplacien de ce terme, donc c'est r sur l constant fois s y de s, plus 1 sur LC fois le Laplacien de YT qui est YS égale à 1 sur LC X de S. Comme d'habitude, on prend le YS en facteur. Donc on aura ici S carré plus 1 sur L S plus 1 sur LC égale à 1 sur LC X de S. Pour former la fonction de transfert G de S, je prends Y de S sur X de S, qui est égal à 1 sur LC sur S carré plus R sur LS plus 1 sur LC. C'est la fonction de transfert du circuit. C'est la fonction de transfert du circuit RLC. Et celle-là, c'est l'équation différentielle, du circuit RLC. J'ai oublié de vous indiquer ici que le circuit RLC est représenté par une équation différentielle du deuxième ordre. Remarque. Un circuit RLC est représenté par une équation différentielle du deuxième ordre. Et vous le constatez aussi ici dans la fonction de transfert. Si la variable de Laplace S possède une puissance 2, cela veut dire que l'ordre du système est 2. D'accord? Si la variable de Laplace est en puissance de 2, comme dans ce cas-là, alors l'ordre du système est 2.
D'accord. L'ordre du système est la puissance la plus élevée dans le polynôme caractéristique, c'est-à-dire le polynôme de ce dénominateur. Maintenant, je vais vous donner la forme générale d'un système du deuxième ordre. C'est-à-dire, je vais vous donner la forme standard ou la forme normalisée. Forme normalisée. Un système du deuxième ordre. Comme nous l'avons vu ici, vous avez une équation différentielle contenant deux dérivées au maximum. Nous avons dit que dans ce cas, le système est d'ordre 2. Et vous constatez bien que dans cette équation, nous avons le signal YT, sa première dérivée et sa deuxième dérivée. Mais cette forme peut être écrite sous une forme, c'est-à-dire cette équation peut être représentée sous une manière plus générale. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, c'est la forme normalisée d'un système du deuxième ordre. Dans ce cas, l'équation différentielle va être écrite comme suit. Y 2 points plus 2 xi oméga n y point plus oméga n au carré Y égale oméga n au carré x. X, c'est l'entrée. D'accord? Comme vous pouvez le constater, vous avez ici oméga n carré, c'est le coefficient de y. Et c'est le même coefficient pour l'entrée x. Donc, oméga, vous avez ici un oméga n carré et oméga n carré. Vous pouvez le voir facilement ici. Donc, 1 sur LC, 1 sur LC. D'accord? C'est juste une constatation. Dans cette équation, les paramètres sont xi et oméga n. Nous avons deux paramètres. Le xi représente un coefficient d'amortissement. Qui représente les frottements agissant sur le système. C'est des frottements. Le oméga n est une pulsation naturelle. C'est la pulsation naturelle du système qui a comme unité le radian par seconde. La fonction de transfert peut être déduite facilement en effectuant la transformation de Laplace. Donc, s carré y s plus 2 xi oméga n s. Y de S plus oméga n carré Y de S égale oméga n carré fois X de S. D'accord? Je prends maintenant le YS en facteur. Donc j'aurai S carré plus 2 xi oméga n S plus oméga n au carré égale à oméga n au carré x de s. La fonction de transfert g de s, c'est ys sur xs, qui est égal à oméga n au carré
sur s carré plus 2 xi oméga n s plus oméga n au carré. Et c'est la fonction de transfert normalisée d'un système du deuxième ordre. Celle-là, c'est la fonction de transfert normalisée. La même chose ici, c'est l'équation différentielle normalisée.